Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, j'ai décidé de vous faire un book haul, je dirais plutôt un book haul de l'été en très gros parce que ça fait très très longtemps que je ne vous ai pas tourné de book haul. Je vois que j'ai des piles qui commencent à s'amonceler et je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer tout ce que j'avais acheté cet été. Pour ces acquisitions livresques, donc je vais les prendre un peu, j'ai fait une pile à côté de moi et je les prends un peu comme ça. Il n'y a aucun ordre, aucune thématique, aucun repère temporel. Enfin vraiment, je les prends au hasard et je vous en parle. Je ne vais pas trop les résumer. Comme d'habitude, quand je n'ai pas lu les livres, j'aime pas trop les résumer. Ben, je trouve ça un peu bateau, on ne sait pas vraiment ce qu'on doit dire, on lit juste ce qu'il y a à l'arrière, etc. Donc, je préfère vous dire un peu ce qui m'a plu, ce qui m'a tenté dans ce roman. Et comme d'habitude, je vous listerai en barre d'infos tous les livres avec un lien où vous pourrez cliquer dessus et lire le résumé par vous-même. On va commencer tout de suite. Première lecture, c'est Le crime d'Halloween de Agatha Christie. Donc vous avez vu ce roman dans ma pile du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je viens de l'acheter. Je l'ai vraiment acheté seulement pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai plusieurs Agatha Christie déjà également dans ma pile. Ils sont juste ici. Et je cherchais un livre pour une catégorie qui devait traiter d'Halloween. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, Le bal des folles de Victoria Mas, également pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vous en ai déjà parlé dans la vidéo pâle. On reste sur la thématique Pumpkin Autumn Challenge, donc The Graveyard Book de Neil Gaiman. Donc l'étrange histoire de Nobody Owens, l'étrange vie de Nobody Owens. Je me souviens plus très bien du titre en français, mais voilà cette histoire de ce petit garçon qui est élevé dans un cimetière par des fantômes. Donc c'était également pour le pack. J'ai trop hâte de le lire. Il a l'air vraiment vraiment génial. De Neil Gaiman, j'ai lu Norse Mythology. Mythologie. Ouais, il me semble que c'est ça le titre, Norse Mythology. Donc ça n'a rien à voir avec ça. C'était de la mythologie nordique en fait tout simplement. Je me réjouis de le lire, je vous avais montré déjà dans ma pile à lire, mais il est illustré, donc ça c'est la toute première illustration du tout début, donc ça ne spoile rien. Vous voyez un peu l'ambiance et le style d'illustration, j'ai très hâte. On passe du tout au tout avec Book Lover de Emily Henry. Donc, de cette autrice, j'ai lu People We Meet on Vacation. Donc, voilà, je l'avais acheté seulement parce que j'ai beaucoup aimé People We Meet on Vacation. J'avais envie de lire une romance avec des gens qui aiment les livres. Donc, c'est quelque chose que j'ai jamais lu. J'ai rarement lu des histoires de livres dans mes livres. Donc, voilà, c'est une thématique qui pourrait être très intéressante. J'aime beaucoup. J'adore. Il est tout floppy. Enfin, vous voyez, on peut bien l'ouvrir, bien le lire. Il est tout. Bref, c'est futile, mais j'aime beaucoup. Je le lirai sûrement l'été prochain, je pense, ou peut-être si j'ai envie de romance un peu des fois dans des creux de la vie. J'aime bien lire des romances, donc pourquoi pas. Un thriller sombre de Max Money. Donc celui-là, je l'ai acheté sous les conseils de Séverine, donc de Il est bien ce livre, qu'il a lu, qui a beaucoup aimé. C'est une autrice française, donc ça m'a poussée également à l'acheter. Il n'est pas très long et je me suis dit que pour l'automne, ça peut être pas mal. J'essaye de lire un peu plus de thrillers, de me pousser un peu plus vers ce genre parce que je me rends compte que quand je le lis, c'est un genre que j'aime beaucoup, mais que j'ai toujours peur de prendre parce que j'ai peur d'avoir peur. Et ça, c'est un petit truc qui s'enlève, donc je vais l'enlever direct après cette vidéo. Un classique de la littérature, je ne sais pas, de booktube en tout cas, c'est Rebecca de Daphné du Maurier. Donc voilà, j'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes, sur plusieurs podcasts, sur plusieurs revues livresques. Donc voilà, quand je l'ai vu à la librairie, je l'ai pris directement. Cette ambiance assez un peu gothique, un peu
voilà, mystérieuse. Ça m'a poussée à le prendre pour l'automne. On est dans un manoir avec la mort de l'ancienne propriétaire qui revient pour hanter les habitants du manoir. Donc voilà, j'ai très très hâte. J'ai entendu que de très bonnes choses sur ce roman. Il y a eu une adaptation au cinéma, il me semble, de Hitchcock, c'est ça? Ouais, c'est ça, de Hitchcock en 1940. Donc ce roman, il est assez vieux, je ne savais pas. Mais voilà, donc je me réjouis de le lire. Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Donc c'est une autrice qui est très hypée en ce moment, notamment pour The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Elle a écrit pardon, également Malibu Rising. Qu'est-ce qu'elle a écrit encore? Le dernier, c'est Soto is Back. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin, bref, voilà, une autrice qui est assez hypée en ce moment. Je voulais lire Daisy Jones and the Six parce que ça parle d'un groupe, donc Daisy Jones and the Six, qui s'est séparé à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi. Ça m'a hypée pour cette ambiance un peu de rock, un peu de musique. Tout le roman est constitué sur la forme pardon, d'une interview. Donc voilà, il n'y a que des dialogues, qu'une interview en fait durant tout le livre. Donc je me réjouis de voir ce que ça va donner. C'est assez particulier comme mise en forme, comme écriture. Donc je verrai bien. On m'a dit également que le livre audio était génial. Donc je vais voir si je peux me le procurer en livre audio. Je ne suis pas sûre que je l'ai dans mes plateformes de livres audio. Donc je verrai bien. Mais peut-être que je vais le lire juste en lecture basique, donc je verrai. Ensuite, j'ai acheté Réinventer l'amour de Mona Chollet, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. De cette autrice, j'ai lu Sorcière et j'ai également Beauté fatale. Voilà. J'ai également du coup Beauté fatale dans ma palle que j'ai pas encore lu. Si on y déconstruit les relations hétérosexuelles, bah, comme le titre le dit, comment le patriarcat les sabote, je suis très curieuse de voir par quelle approche on va plonger dans ce sujet, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter. Et voilà, je me réjouis de le lire, c'est toujours des bonnes découvertes, très instructives. Et si c'est dans la même veine que Sorcière, dans le sens où Sorcière c'était très accessible, donc même si on n'était pas des grands connaisseurs du sujet, c'était accessible et compréhensible pour tous et toutes. Donc voilà, j'espère que ce sera toujours le cas pour celui-ci. Pour poursuivre, je me suis procurée Neige de printemps de Yukio Mishima. Donc ça a l'air d'être le premier tome d'une saga, donc la saga La mère de la fertilité. Donc là déjà ce qui m'a attiré c'est cette sublime couverture, parlons-en, elle est trop belle, mais également c'est de la littérature japonaise, donc moi j'adore ça. Et on y parle de deux amants qui vivent un amour interdit, et il me semble qu'on va parler des classes au Japon, donc qui peut marier qui, et c'est quelque chose qui m'intéresse grandement. J'espère que ce sera pas trop barbant, enfin si je peux dire ça comme ça, je veux pas que ce soit dégradant ni quoi que ce soit, mais voilà, des fois c'est un peu difficile à lire, donc j'espère que ça va me plaire. Je pense le garder pour la fin de l'hiver, Neige de printemps. Donc voilà, je me réjouis. Je sais pas du tout par contre combien il y a de tomes, si c'est une grande saga, si c'est une duologie. J'ai aucune idée, je l'avais vraiment pris comme ça en librairie. Je l'avais vu, je n'ai jamais entendu parler. Donc je vous en redirai des nouvelles quand je l'aurai lu. On reste dans la thématique de la neige avec Femme gelée de Annie Ernaux. Donc Annie Ernaux, une autrice très très connue, une autrice française. De cette autrice, j'ai lu Mémoire de fille pour les cours. J'en garde un mauvais souvenir, un souvenir pas du tout bon, mais je pense très honnêtement que mon avis sur Mémoire de fille est biaisé par le fait que je devais le lire pour les cours. Donc c'est le cas pour beaucoup de mes lectures scolaires. À partir du moment où j'étais obligée de lire un livre, ça ne me plaisait pas. Donc voilà, je voulais retenter cette autrice quand même, qui est, je dirais quand même, un classique dans la littérature, une autrice bien connue. Donc je me suis dit, pourquoi pas La femme gelée, cette
cette femme de 30 ans, professeure, qui est mariée, qui a deux enfants, donc un peu le quotidien d'une femme comme ça, mariée, deux enfants, mariée à un homme qui est cadre, enfin bref, comment elle s'en sort dans la vie, comment elle fait pour lutter contre ce qui l'oppresse ou comme ça. Donc voilà, je me réjouis de lire ce roman d'Annie Ernaux et j'espère mieux apprécier ma lecture que Mémoire de fille, même si je pense que Mémoire de fille, je vais le relire et essayer d'avoir un regard plus neutre par rapport à ce que j'avais pendant l'école. Une romance un peu dramatique, Ugly Love de Colleen Hoover. Donc ça, je sais pas trop quoi vous dire. C'est genre le livre TikTok par excellence. J'ai pas TikTok, donc je l'ai pas vu sur TikTok pour ma défense, mais sur Instagram, sur Insta, sur YouTube, pardon, on le voit partout. Colleen Hoover, une autrice très connue que je n'ai jamais lue. Donc, on verra si ça va me plaire. Je suis pas sûre que ça me plaise, honnêtement. Je verrai bien les genres de. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de romances un peu dramatiques comme ça, un peu où les sujets sont durs, où on sort avec le cœur brisé. Donc, je sais pas si ça me plairait toujours. Je sais qu'ado, c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup plu. Mais maintenant, je suis pas sûre. On verra. Tout dépend également de la romance. Si c'est trop toxique, je pense que ça va me saouler. J'aime beaucoup cette couverture dans les teintes de bleu, un peu sous-marine comme ça. Et je m'en réjouis quand même de découvrir cette autrice dont tout le monde parle. Un autre roman qu'on voit passer partout sur Insta, sur YouTube, il s'agit de The House in the Cerulean Sea, la maison de la mer cérulienne, il me semble que c'est ça en français, donc de T.J. Clune, un roman qui a été décrit, je me souviens plus qui l'a dit, mais ça fait un moment comme un câlin, et moi c'est ça qui m'a. Je me suis dit, un câlin, je vais acheter ce livre, donc voilà, j'en sais pas plus, il me semble que ça parle un peu de Marie, de magie, pardon, d'un orphelinat, de. Voilà, ça a l'air tout sympa, tout beau. Je me réjouis de le lire également et pour savoir un peu si il vaut toute cette hype. Un peu de fantasy science-fiction quand même, j'ai acheté Skyward de Brandon Sanderson. Donc Brandon Sanderson, pardon, auteur de fantasy science-fiction bien connu. J'ai pris celui-ci parce que ça parle de vaisseaux, ça parle de l'espace. Donc je suis assez intriguée, j'ai pas vraiment lu de roman qui se passe dans ce genre d'univers. Je l'ai pris en VO, donc ça m'inquiète aussi un peu parce que je lis pas trop de fantasy en VO. Donc je verrai si j'ai quand même le niveau pour cette lecture, mais ça j'ai vraiment très 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 hâte de le lire. Il a l'air génial, il a été hypé aussi sur internet. Il me semble qu'il y a un tome 2 qui est sorti et je ne sais pas s'il y a un tome 3 également. En tout cas, tome 2, c'est sûr. Et je ne sais pas non plus, il me semble qu'il a été traduit en français. Le tome 2, je ne pense pas. Mais voilà, celui-ci est traduit en français. Avant-dernier livre de ce book haul qui est assez grand, hein, il s'agit de Galante, donc de V.E. Schwab. Vous l'avez également vu dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Donc celui-là aussi. Il a été vu partout sur Instagram, cette jeune fille qui va aller à Galante, le manoir de son oncle, il me semble. Quand elle arrive là-bas, son oncle est mort. Sa mère, qui est également décédée, il me semble, lui a toujours dit de ne pas se rendre à Galante. Elle y va et il me semble qu'elle peut voir les ghouls, les fantômes, des créatures en tout cas. Donc je me réjouis de le lire, cette couverture. Cette couverture sublime, non? Trop belle avec ces petites roses là. Trop trop belle. Je l'ai également en VO. Je sais pas s'il est sorti en français. Peut-être. Mais voilà. En tout cas là, je l'ai en VO. V.E. Schwab, j'ai jamais lu cette autrice non plus. Là, on est dans la thématique de j'ai jamais lu cette autrice, mais ça me tente. Mais j'ai jamais lu cette autrice, mais il me tente. Hein. On est déjà rendu au dernier livre de ce book haul et il s'agit de Hamnet de Maggie O'Farrell. Dans ce roman, on est donc en 1596, une petite fille tombe gravement malade, son frère s'appelle Hamnet et sa mère vont tout faire pour essayer de guérir cette maladie qui est inconnue. Donc je vais voir de quoi ça parle, de quelle maladie, disons, ça traite. Je pense que c'est une maladie qui est déjà connue pour nous. Je dirais quelque chose comme la peste ou comme ça,
qui est bah, du coup connu nous, mais qu'à l'époque, en 1500 et quelques, 1600, ce n'était pas connu. Je me réjouis vraiment de le lire. Cette couverture également est très sublime. Je l'ai mis aussi dans ma pile à lire du Punkington Challenge, il me semble. Oui, il est dans ma pile à lire. Une lecture qui, je pense, passerait très bien pour l'automne, pour les journées un peu froides, un peu cosy. Et je verrai bien. Bon, cosy, ça n'a pas l'air d'être une lecture très cosy, mais voyez un peu l'ambiance ancien, 1600, bougies, cueillette d'herbe pour faire un remède. Voilà, un peu witchy vibe. On est déjà rendu à la fin de ce book haul de quand même 15 livres. Donc ça fait pas mal pour cet été. Ma palle a quand même bien grossi. Mais vu que j'ai pas mal lu cet été, ça s'est assez équilibré, disons. Je pense pas, vraiment je me voile la face, hein. Je pense pas vraiment que ça s'est équilibré parce que 15 livres, voilà. Mais je suis très contente de ces livres. Je me réjouis tous de les lire. Il n'y en a aucun que je me dis, ah bof, je l'ai acheté, mais bof. Donc voilà, je me réjouis. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce book haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire également si vous aussi vous avez fait des acquisitions livresques. Si il y a des livres ici que vous avez déjà lus, si vous n'en avez pas lu mais qui vous tentent, si vous voulez faire des lectures en commun, n'hésitez pas à me dire tout ça soit dans les commentaires, soit sur mon Instagram que j'affiche juste ici. Et sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Et moi, je vous souhaite de magnifiques lectures et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.